Bonjour à tous, hein, Philippe Baclet, directeur du WIMEP, et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue pour ce cinquième WIMEP webinaire consacré donc aujourd'hui au projet Howard. Donc nous sommes ravis si mon écran veut bien fonctionner. Ah, je suis bloqué cette fois-ci. Voilà. J'espère que ça va aller. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir une nouvelle fois pour ce rendez-vous. Donc, ces WIMEC webinaires sont l'occasion, tout d'abord, de faire le point sur un ou plusieurs projets de recherche, hein, portant sur les énergies marines, et notamment ceux qui sont réalisés dans le cadre des appels à projets WIMEC. Ben, ce sera donc pour vous l'occasion de découvrir, hein, les objectifs et les principaux résultats à la pointe de la recherche sur les énergies marines. Également de nouvelles compétences, de nouveaux moyens d'essai ou d'outils de simulation. Aujourd'hui, ce sera le cas, dédié à ce secteur, donc des énergies marines. Alors, ce sera aussi l'occasion, hein, d'échanger avec les porteurs de ces projets, et pour, nous l'espérons, engager de futures collaborations. Alors, pour le format, alors c'est, comme je l'ai déjà dit, un rendez-vous qui est maintenant mensuel. Et la date du prochain webinaire vous sera annoncée à la fin de cette session. Donc, un petit peu de patience pour découvrir le thème du prochain WIMEC webinaire tout à l'heure. Pour ces prochains rendez-vous, nous vous enverrons, comme d'habitude, les informations par mailing. Il faudra vous inscrire au préalable sur le site WIMEC. Et puis, la durée du webinaire aujourd'hui sera de l'ordre d'une heure, questions comprises. Donc maintenant, et brièvement, quelques indications sur le déroulé. Donc, votre caméra et votre micro sont coupés. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le bouton QR qui est en bas ou quelquefois en haut de votre écran, ça dépend des configurations. Pour poser vos questions, et nous essaierons évidemment d'en traiter un maximum. Et enfin, nous vous signalons que ce webinaire est enregistré afin d'être diffusé sur la chaîne YouTube du WIMEC, où vous pouvez d'ailleurs retrouver les quatre premiers webinaires de la série. Voilà, donc à présent, il y a un temps de latence. Voilà. Donc à présent, le menu du jour. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet Howard, qui est opéré par l'Université de Nantes, et plus spécifiquement son Institut de recherche en énergie électrique de Nantes Atlantique, l'IRENA, en collaboration avec le LEMNA, Laboratoire d'économie et de management de l'Université de Nantes, et également en collaboration avec les Chantiers de l'Atlantique. Et donc ce projet Howard a permis de développer un simulateur permettant d'étudier et d'optimiser les architectures de raccordement des éoliennes à la fois au sein du parc, comme vous voyez sur la petite figure, mais aussi le raccordement du parc à terre en comparant les technologies en courant alternatif et les cours plus classiques et les nouvelles technologies en courant continu. Donc voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole au chef de projet, donc Salvi Bourguet, qui va pouvoir présenter les résultats obtenus dans le cadre de ce projet Howard. Juste le temps pour Salvi donc de caler sa présentation. Et Salvi, c'est à toi, je te laisse la place. Très bien, donc normalement, si tout fonctionne, vous avez ma présentation à C'est l'écran. parfait. C'est parfait. Donc oui, merci Philippe et bonjour à toutes et tous, à tous ceux qui sont présents maintenant et tous ceux qui nous visionneront pour plus tard. Donc effectivement, on va parler un petit peu de ce projet Howard qui a démarré en 2016 et qui vient de se terminer il y a une semaine, enfin il y a un mois, pardon, avec la soutenance de la thèse qui est au cœur de ce projet. Howard, Philippe l'a dit, effectivement, c'est une optimisation d'architecture de fermes offshore, de fermes éoliennes offshore en particulier, avec incorporation d'étages continus, donc des étages qui peuvent être sur le réseau de transport comme sur le réseau de collecte. On verra ça un petit peu après. Rapidement, voilà ce qu'on va voir ensemble, hein, c'est d'abord quelques détails sur l'équipe projet et le doctorat qui s'est déroulé à l'intérieur. Des éléments de contexte général et des objectifs du projet, donc un certain nombre de développements autour de ça pour bien comprendre comment on s'est situé par rapport à cet environnement. Et ensuite, un certain nombre de diapos sur la plateforme d'optimisation réalisée, les résultats obtenus et les principaux objets, avec après effectivement quelques perspectives. Tout d'abord, c'est effectivement ce projet, c'est un travail d'équipe. Donc on est
centré autour donc, de Asma Dababi, qui est aujourd'hui docteur de l'Université de Nantes, hein, qui a soutenu donc, il y a un mois sa thèse qui était au cœur du projet, avec un contexte donc, de co-encadrement entre l'IRENA, donc, le laboratoire d'énergie électrique de l'Université de Nantes, et le LEMNA, le laboratoire d'économie et de management de l'université. Donc, vous avez ici les trois personnes, hein, Salvi Bourguet, Mohamed Machoum et Erodica Loisel, avec leurs rôles et contacts respectifs. Et effectivement, autour de ce projet, de cette thèse, on a donc le contexte WIMEC qui nous accompagne, qui nous suit d'assez près, qui permet de bien animer le projet, et dans lequel, notamment, il y a l'animation d'un comité de pilotage où participent les industriels qui ont montré leur intérêt lors du dépôt de projet, donc dans le cas présent, les chantiers de l'Atlantique, notamment leur branche offshore. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le contexte un peu général. Si on regarde un petit peu les éléments de contexte sur le projet en lui-même et sa naissance, un petit peu sa genèse, je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui en train de visionner cette vidéo le savent, hein, le contexte est on est dans un contexte d'installation de production d'énergie en mer qui est en développement, sur une croissance qui est assez forte et qui fait appel à des technologies qui sont assez différentes, soit l'éolien posé, éolien flottant, pour ce qui va venir plus tard un petit peu, et certaines technos qui ont tendance à être à la fois prometteuses et en même temps difficiles à développer, qui sont l'hydrolien et les houlomoteurs. L'idée étant quand même d'agréger ces productions qui sont unitairement pas forcément très élevées, même si sur l'éolien posé, on monte sur plusieurs mégawatts, jusqu'à 10-12 mégawatts aujourd'hui sur les projets industriels. On a quand même tendance à constituer des fermes dont la puissance unitaire ne cesse elle-même d'augmenter. On le voit sur les deux graphiques qui sont à droite. Hein. Donc à la fois sur la capacité des fermes installées, et à la fois sur la capacité de production des turbines unitaires. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu sur le déploiement de ces technologies et sur la densité de puissance au sein de ces différents parcs. Si on va un petit peu plus loin, on est aussi sur un système électrique qui est assez complexe, qui peut effectivement mettre en œuvre un certain nombre d'objets. Alors, si on parle du point de vue électrique, hein, ce sont des objets qui sont des objets, on va dire, traditionnels, de type disjoncteur, armoire, mais qui vont aussi venir intégrer éventuellement des éléments d'électronique de puissance si on vient à passer en technologie continue, et qui vont donc avoir un impact assez important sur l'architecture du système global, depuis, on va dire, le point de raccordement à terre jusqu'au pied de l'éolienne et sa production. Ce système électrique est au cœur de la rentabilité du système global. C'est un enjeu majeur, hein, sur les estimations, on varie entre 15 et 20%. Donc là, je vous ai mis 17% des CAPEX selon l'Institut américain IRENA. Et notamment, il y a de grands enjeux de fiabilité. C'est-à-dire que là, effectivement, on est dans le milieu offshore, donc plutôt loin des côtes, en tout cas marin, quoi qu'il arrive, sur lequel il faut observer, au minimum, et sinon garantir, une fiabilité accrue, de manière à pouvoir avoir des interventions qui sont minimisées et qui n'ont pas d'impact, en tout cas le moins d'impact possible sur le système. Pour l'ensemble de ces dispositifs, on verra un petit peu dans les perspectives, je vous ai déjà annoncé ici, mais l'arrivée des réseaux maillés en mer avec éventuellement d'autres types de réseaux multiterminaux, d'essais notamment, donc avec des interconnexions éventuellement continentales par le biais des réseaux offshore. Donc ça, on en reparlera un petit peu après dans les questions si vous êtes intéressés. Donc concrètement, sur l'idée générale qui est abordée ici, hein, c'est de se focaliser sur ce synoptique-là, c'est-à-dire en gros, vous avez un réseau classiquement à terre, avec une ligne de transmission haute tension qui vient raccorder une ou plusieurs sous-stations et qui elle-même vient, la plupart du temps en tout cas, abaisser la tension et agréger un certain nombre de génératrices entre elles sur des formats qui sont radio, maillés, avec des redondances ou pas. Enfin, il y a beaucoup de formats différents. On est sur cette architecture générale. Et donc, effectivement, sur cette architecture-là, on va voir qu'il y a plusieurs manières de décliner un petit peu le problème. Et on va voir notamment quels sont les aspects que nous avons observés dans le projet. Premièrement, je vous en ai parlé tout à l'heure, la question était de savoir si sur une architecture qui est classiquement alternative, il était intéressant et quantifier un petit peu l'intérêt d'ajouter des étages continus. Donc les étages continus, ça veut dire notamment le transport en continu. Aujourd'hui, on a de plus en plus de projets qui sortent, qui sont réalisés avec des liaisons dites HVDC, donc avec une haute tension continue, pour relier au moins l'atterrage et la sous-station à terre, et en mer, excusez-moi. La question qu'on est allé voir, nous, après, c'est aussi de voir si à l'intérieur de cette architecture, on pouvait, au niveau du réseau de collecte, intégrer des étages continus également. Donc, on verra juste après. Donc ici, rapidement, pour fixer des idées, il y a une question qui est souvent posée, qui est de savoir, en fait, à quelle distance une ferme d'une puissance donnée doit passer en technologie continue sur le transport haute tension ou rester en alternatif.
Pour ceux qui connaissent bien le problème, l'alternatif est un mode de transport qui a tendance à comment dire, être inefficace si la distance augmente, notamment dû à la capacité du câble. Et donc, on va venir saturer en fait, le transport d'énergie réactive, enfin de puissance réactive, qui va amputer le câble d'une certaine capacité de transport. Et ce défaut, du coup, on le compense en ajoutant des compensations ou en surdimensionnant le câble. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur la courbe bleue, ici. Cette tendance bleue, elle présente à la fois un agrégement hein, donc des coûts hein, en ordonnée et de la distance en abscisse. Donc, un coût qui est fixe au départ et qui va augmenter au fur et à mesure de cette distance et qui peut devenir presque prohibitif, voire totalement impossible à réaliser pour un projet qui pourrait s'éloigner un petit peu trop, par exemple. Inversement, sur la technologie continue, on voit qu'ici, on va consentir un surinvestissement qui est lié notamment aujourd'hui, en tout cas, à ce qui coûte cher, ça va être les stations de conversion, donc ces étages de conversion continue, alternative ou alternative continue, qui sont assez complexes à réaliser, qui sont sensibles, qui sont encore l'objet de beaucoup d'innovations, donc qui sont assez chers, mais qui vont par ailleurs fournir des capacités de transport qui sont relativement intéressantes et qui sont constantes, qui ne subissent pas les mêmes effets, en tout cas de puissance réactive. D'où du fait comment dire, une évolution différente en termes de coûts après, donc c'est la courbe que vous avez ici en rouge. Donc, dans l'idée, ces deux courbes se croisent à une certaine distance en fonction du projet, et ça permet d'arbitrer éventuellement sur un type de technologie. Donc, cette évaluation hein, entre coûts, distance et techno, elle est très variable dans le temps en fonction de la maturité des produits et en fonction de la maturité d'une filière, d'une manière générale, du savoir-faire des gens. Enfin, bah, c'est très variable en fonction du contexte et d'écosystème. Simplement, ce qu'on est aujourd'hui en droit de se demander, par exemple, c'est que si on va vers de l'éolien posé éloigné des côtes ou si on va vers de l'éolien flottant, bien vraisemblablement, on peut imaginer quand même que la partie en DC devienne très intéressante. Et c'était un petit peu l'objet aussi, c'est de valider ça et d'en avoir un peu un outil qui permet de quantifier quand on est en prise de décision. Voilà, donc les architectures qui sont évaluées dans le projet sont les trois suivantes. La première que vous avez sur le haut, c'est l'architecture dite conventionnelle, c'est-à-dire que vous avez un transport en alternatif, donc le HVAC qui est ici, entre le réseau à terre et là où les sous-stations offshore. Et ensuite, une collecte d'énergie, et donc une architecture interne du parc en elle-même qui soit en alternatif. Donc les variations de tension, aujourd'hui on est plutôt sur du 66 kV sur les projets d'aujourd'hui, on va dire. Les deux autres architectures, donc cette architecture, la première que je viens de vous présenter, a déjà fait l'objet d'études avant Howard. Donc, je vous préciserai un petit peu en fin de présentation, notamment dans quelle continuité tous ces travaux se situent. Mais sachez qu'on travaille dessus depuis 2009-2010 avec différents partenaires. Et donc, cette architecture-là a déjà fait l'objet d'études. Donc, elle sert de base en fait, au départ du projet Howard. Howard, en fait, après, s'est intéressé du coup aux deux architectures qui suivent. Donc, celle qui est au milieu, effectivement, qu'on observe aujourd'hui, qui est une architecture avec un transport en continu, donc qui suppose une station de conversion à terre pour faire un transport en énergie en courant continu, et qui va trouver dans ces sous-stations offshore des éléments qui vont être semblablement identiques à ce qu'il y avait en alternatif, plus une station de conversion des trains de puissance, elle aussi, donc alternative vers continue. Pour autant, du côté réseau de collecte, on restera sur une architecture similaire, c'est-à-dire qu'on va collecter l'énergie en moyenne tension, donc ici aussi 66 kV, entre les différents générateurs. Et enfin, donc une dernière architecture qui était intéressante pour voir, sans a priori sur sa viabilité, qui est tout en continu, c'est-à-dire en gros la partie commune sur le transport en HVDC, et cette fois-ci une collecte d'énergie dans le réseau de collecte qui, elle aussi, se ferait en continu avec un système de conversion un petit peu différent au pied de l'éolienne aujourd'hui. Voilà, ce sont les trois cas de figure qui sont regardés et sur lesquels on essaie d'avoir un certain nombre d'arbitrages à la fin du projet. Alors, pour fixer des idées, pourquoi une optimisation dans ce type de contexte? Tout d'abord, ce type de concept, ce type d'installation manipule un grand nombre de paramètres, depuis l'installation physique, l'implantation physique et géographique des éoliennes, jusqu'à la présence ou non de redondance, de câblage électrique, en fonction du dimensionnement de ces câbles, en fonction de la technologie de type courant alternatif ou continu, ainsi de suite. Donc ici, je vous en ai listé un certain nombre. On a notamment un impact important de la ressource sur le productif, c'est une évidence qui est plutôt un travail lié à de l'hydrodynamique ou à des coulements de fluide. On verra comment nous, on va le prendre en compte dans les études électriques.
Les effets de sillage, du coup, dans le parc peuvent être très importants selon la disposition de ces génératrices et en fonction du site et des ressources que vous pouvez trouver. Et enfin, effectivement, le raccordement électrique de ces éléments. Et puis, une question qui vient très régulièrement, c'est pour convertir 400, 500, voire 1000 MW, combien de sous-stations de conversion faut-il mettre? Avec quelle technologie? Ça, c'est une question qui est centrale. Et une question qui est corrélée à ça, c'est où les positionner dans le champ. Donc, en termes de contraintes qui sont assez nombreuses à prendre en compte, on va effectivement avoir, c'est évident, le zonage du projet, donc en gros, plutôt l'implantation, le foncier, mais également un certain nombre de problématiques qui sont liées à l'installation, à l'industrialisation, donc le génie civil, éventuellement sur le croisement des câbles, sur la bathymétrie, sur les ancrages, les effets de distance à la côte. Et puis, si on regarde un petit peu plus proche de la partie électrique, on va avoir notamment les puissances nominales, les limites techniques des différents des éléments installés et les respects des caractéristiques à respecter pour s'intégrer au réseau, donc ce qu'on appelle communément le grid code, et la qualité de l'énergie qu'on va devoir y distribuer. Donc, tout ça sont des contraintes à la fois de création, donc de chantier, on va dire, et à la fois de vie du système derrière. Évidemment, j'en ai parlé, donc l'industrialisation, mais également les usagers. Ça reste un point très intéressant qu'on a pu aborder un tout petit peu grâce au laboratoire d'économie et qui fait l'objet de nombreuses études aujourd'hui en génie électrique sur la dimension sociétale. Donc, en gros, comment intégrer les usagers dans ces systèmes. Donc ça, pour le coup, dans le projet Howard, on n'a pas eu trop l'occasion de lui faire référence et de l'intégrer, mais ça faisait partie des préoccupations pour un certain nombre de choses. Donc, comment définir les performances des fermes du fait d'une optimisation? C'est de regarder quelques indicateurs de ces performances. Les principaux qui sont là sont les indicateurs soit de performance technique, donc ils vont observer plutôt le rendement, les pertes éventuellement, donc en gros l'énergie qu'on va être capable d'extraire d'un site de ce type, ou les indicateurs de performance économique qui peuvent être corrélés du fait à la performance technique, hein, qui vont notamment observer l'investissement, éventuellement la rentabilité, et le LCOE que je vais vous définir un petit peu après, qui est un indicateur de performance économique sur l'ensemble du système. Donc si on met tout ça bout à bout, on a un problème qui peut vite devenir assez complexe, qui fait appel à de nombreuses variables, et qui est un problème qui est assez concret quand même pour le designer de parc, puisqu'il se retrouve face à une difficulté qui est à un moment de décider si l'architecture qu'il a en tête, qu'il a imaginée, est efficace réellement et pourrait être éventuellement améliorée, et comment le faire. Donc l'idée, c'est bien d'avoir un outil qui va permettre à cet ingénieur, à ce concepteur, de spécifier un certain nombre de données d'entrée, de spécifier éventuellement quelques contraintes, un besoin, et d'avoir ensuite un élément de choix et d'observer un certain nombre de possibilités et de venir arbitrer. Alors, toujours dans les éléments de contexte, ce qui nous est pris pour nous, en tout cas en termes de données d'entrée pour l'instant, c'est effectivement les éléments du réseau moyenne tension et les éléments du réseau haute tension. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, le nombre les éoliennes sont positionnées pour nous, préalablement, c'est-à-dire qu'on ne les déplace pas, on ne cherche pas leur implantation optimale. Et les éléments qu'on va venir regarder, qui vont être observés, sont effectivement donc, le nombre de groupes d'éoliennes qu'on va avoir, le nombre d'éoliennes par groupe. Vous verrez ça tout à l'heure dans quelques figures, ça te parlera un petit peu plus, et les sections de ces câbles. De même que pour le réseau de tension, eh bien, le nombre de câbles qu'on va devoir installer pour chaque liaison haute tension, quelle section et quelle connexion entre les sous-stations offshore et le réseau terrestre. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le nombre et les positions de ces sous-stations sont aussi des variables de l'outil, et donc elles sont positionnées de manière optimale à l'intérieur du parc, en tout cas à l'intérieur d'une zone foncière. Donc le LCOE fait l'objet donc de notre fonction objectif, ce qu'on appelle régulièrement en optimisation, c'est-à-dire en gros c'est quelle performance on observe. Et donc le LCOE tel qu'il est défini classiquement, hein, c'est donc le coût de production moyen actualisé qui prend en compte deux termes principalement, le CAPEX, donc le coût d'installation, le coût d'investissement initial, et l'OPEX, le coût d'opération et de maintenance du site, en observant donc un certain nombre d'éléments qui sont liés au taux d'intérêt et à la durée de vie du parc, et notamment l'AED, donc l'énergie annuelle produite et délivrée par le système. Voilà. Donc on voit dans cette formule qu'il y a déjà beaucoup de choses qui supposent quand même beaucoup d'hypothèses de travail. Et on va voir ensemble que ça fait aussi partie des limitations, hein, sur ce type d'optimisation, c'est quelles hypothèses on formule et quelle confiance on peut avoir dans ces hypothèses. Alors, ici, on va prendre le temps de le parcourir. C'est un synoptique qui, en gros, explique les différentes briques, les différents modules qui sont présents dans Howard. Si on reprend, il y a une lecture du haut vers le bas, vous suivez les flèches. Donc, on a en entrée, nous, donc, une base de données, en tout cas des informations sur le vent, sur les ressources.
des entrées générales qu'on va discuter ensemble et une base de données des composants qui vont alimenter un certain nombre de modules. Si on regarde le vent, on peut avoir différentes modélisations sans rentrer dans les détails. Soit on a une étude statistique ou une étude complète du vent, à ce moment-là, on va pouvoir la synthétiser sous forme de rose des vents. Soit on a plutôt des paramètres un peu externes qui vont modéliser la ressource sous la forme d'une courbe de Weibull, qui est tout à fait classique dans ce type d'étude. Les deux ne permettent pas forcément de faire la même observation, mais les deux peuvent être des grandeurs d'entrée qui permettent de caractériser un certain nombre de choses. En termes d'entrée générale, comme je vous disais, le nombre des turbines et les coordonnées sont fixés, les puissances installées sont fixées également. Les niveaux de tension au démarrage, en tout cas d'une optimisation, sont fixés pour un scénario donné. Et la distance de transmission va l'être également. Donc en gros, on positionne le parc et on décide, pour cette optimisation-là en tout cas, de dire alternative continue, tel niveau de tension, ainsi de suite. Donc ça fixe un certain nombre d'objets. Ces deux objets, donc le vent et ses entrées générales, vont venir alimenter une première chose qui est l'estimation de l'effet de sillage, qui va nous permettre d'avoir un certain nombre de critères de choix, en tout cas qui va venir driver l'observation du productible, et on verra après comment on peut s'en servir. Côté composants, on va avoir deux bases de données principales. Une première qui va être la base, on va dire des modèles électriques, donc qui viennent caractériser le comportement électrique de chacun des éléments constituant ce parc. Donc ça, c'est la physique qui est derrière. Et on va avoir également des données qui sont plutôt liées à des modèles économiques qui vont venir, pour un certain nombre d'objets, venir caractériser donc ce qu'on disait tout à l'heure, le coût d'investissement, le coût d'opération et maintenance, donc CAPEX, OPEX. Dans les deux, ce qu'on observe, c'est que le premier sur la partie électrique et donc l'installation des éléments nous permet d'aller directement calculer ce qu'on appelle le load flow, donc c'est-à-dire en gros l'écoulement de puissance, puisque dans les systèmes à la fois alternatifs et continus, il faut faire l'estimation globale de l'état du réseau quand on lui injecte une certaine énergie et qu'on la récupère à un certain point. C'est cette répartition d'énergie, la répartition des pertes, la répartition de l'état physique électrique du système est à faire pour connaître globalement les pertes. Donc ça, c'est un calcul notamment dans l'optimisation qui peut être consommateur de temps et qui peut ralentir un petit peu l'obtention des résultats. De cet effet de sillage et de ce calculateur de load flow, on obtient donc les pertes, l'énergie annuelle produite dans le système. En combinant donc les informations sur les modèles économiques et sur les informations sur la réalisation physique du système, on peut rentrer donc dans un système d'optimisation du parc qui va conduire, donc en faisant varier ces données d'entrée, qui va venir conduire donc à l'estimation du LCOE et aider donc à la conception du système électrique en sortie. Donc la composition d'optimisation ici, c'est bien le choix du composant électrique, nombre et position de sous-station et les câbles à différents niveaux de tension pour la connexion. Bien. Donc concrètement, si on revient sur les objectifs, et ce dont je vais vous parler juste après, donc on est bien sur trois items. On est sur un item qui est modélisation, qui nous a pris pas mal de temps, qui est une des difficultés de ce type d'étude, c'est de modéliser des composants. Au niveau électrique, on arrive à trouver des modèles sans trop de difficultés sur un certain nombre d'objets qui sont conventionnels, notamment les objets alternatifs. Sur les objets continus, si les architectures continuent d'évoluer et d'être étudiées, il réexiste quand même un certain nombre qui sont aujourd'hui assez typiques. Donc les modèles électriques sont plutôt bien connus, bien documentés. La partie économique pose une difficulté qui est un peu différente. Il existe des modèles économiques dans la littérature qui ont souvent été issus plutôt de l'onshore et qui sont un peu discutés, portés, aménagés pour l'offshore dans la littérature et qui ont tendance à être un petit peu vieillissants. Donc ils sont bons à ceci près qu'ils ont été établis entre 2010 et maintenant et qu'ils mériteraient, quoi qu'il arrive, d'être affinés par un partenaire qui pourrait nous fournir ces données-là ou qui les a constituées pour lui-même. Donc là, c'est typiquement l'utilisation d'un outil de ce type-là avec un partenaire industriel qui viendrait affiner les données d'entrée pour bien les appliquer. En termes de modélisation de l'effet de sillage, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Nous, on s'est basé sur un modèle qui est assez simple, qui est le modèle de Jensen, qui est bien connu pour de tous les gens qui manipulent les différents sillages. L'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il nous fournit des estimations rapidement, qui sont évaluées dans la littérature comme étant assez précises pour le niveau d'abstraction qu'on a besoin. Pour autant, je vous préciserai un petit peu plus tard dans les diapos qu'on participe à des projets. On travaille notamment avec l'École centrale de Nantes sur les études très détaillées qu'ils peuvent faire sur les sillages. Et donc, on essaie de se nourrir, de venir un peu voir avec eux comment ces études-là peuvent venir en entrée, agrémenter notre outil d'optimisation. Donc ça, c'est une voie qui est particulièrement intéressante, parce qu'on va voir que le sillage est quand même quelque chose de vraiment déterminant. Sur la partie optimisation, donc, on va vraiment regarder ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne répète pas, donc optimisation LCOE en fonction des différents réseaux moyenne et haute tension et les sous-stations.
et les comparaisons de performance. Ce sont un peu les données de sortie, donc déterminer la meilleure topologie, notamment étudier l'impact de l'effet de sillage et l'optimisation sur plusieurs objectifs, par exemple. Donc, je n'ai pas forcément fait une présentation exhaustive de tout ce que l'outil peut vous faire aujourd'hui. On verra un petit peu plus tard quels sont les types de résultats qu'on peut obtenir. On peut, évidemment, à partir du moment où les briques internes sont développées, quand ces outils sont prêts, on peut faire, entre guillemets, parler l'outil numérique assez facilement et donc adapter les éléments de sortie à la question qu'on peut se poser au moment où ça vient. Voilà, donc voilà pour les éléments de contexte. On va passer sur la troisième partie, donc sur la plateforme d'optimisation et puis quelques résultats. Cette présentation donc, est plutôt centrée sur les résultats plutôt que les éléments, les briques internes. Je suis disposé à répondre à vos questions s'il y en a besoin. Pour l'instant, on va surtout aller voir un exemple d'application. Donc ici, on a appliqué nos résultats sur le parc de Borcel, que je pense que nombreuses personnes parmi vous connaissent. Borcel, on le voit ici, hein, il est constitué de quatre parties qui ne sont pas toutes arrivées au même moment. Et on s'est intéressé notamment à la partie 1 et 2, qui ont été les premiers lots, qui nous paraissent intéressantes puisqu'elles font l'objet donc, d'un certain nombre d'études. Elles sont bien documentées, ce qui est très pratique pour faire un cas d'étude dans le type de travail qu'on a mené. Donc ici, physiquement, aujourd'hui, Borcel 1 et 2, c'est un raccordement en alternatif pour les deux niveaux de tension qui agrège 116 turbines de 6 MW chacune avec des groupes d'éoliennes. On les voit ici, ça c'est l'architecture réelle actuelle du parc. Des groupes d'éoliennes qui sont entre 5 et 13 éoliennes par groupe. Et ce parc est raccordé donc en 66 kV et 220 kV pour les deux niveaux. Voilà. Si on regarde un petit peu plus loin, pour nos simulations et pour ce qui a été permis d'obtenir. On est parti donc sur des paramètres de Webull donc qualifiés comme ceci, avec un certain nombre d'éléments du type taux d'intérêt sur 20 ans et avec un CAPEX et un OPEX estimés. L'outil nous permet, sur cette architecture de référence, d'avoir une estimation du LCOE donc à 50 km des côtes, qui est de en gros 72 euros par mégawatt-heure, et qui, après l'optimisation, sur le même positionnement et sur la même architecture, les mêmes, on va dire, conditions, nous fournir un LCOE un petit peu optimisé, un petit peu meilleur. On verra que on ne fait pas de miracle, on ne divise pas le LCOE par deux, donc simplement on verra qu'on peut se permettre un certain nombre d'excursions dans les hypothèses et dans le contexte d'optimisation qui permettent de voir un peu les variations. Voilà, donc ce que vous avez là, c'est l'architecture actuelle. Si on compare un petit peu, je vous ai mis ici quelques coûts donc sur les composants qui constituent ce parc, qui donne quelques ordres de grandeur sur le parc de Borcel. Donc entre, je vous avais dit tout à l'heure, donc les câbles de différents niveaux, transfo, la sous-station, les cellules, ainsi de suite, les compensations qui sont installées, on obtient voilà, certaines valeurs pour ce parc. Et si on compare, ce qui devient intéressant ici, si on compare les performances sans et avec sillage sur cette architecture aujourd'hui, on obtient donc pour les différents items des variations qui peuvent être assez significatives. Alors prenons le temps de regarder un peu les différents items que vous avez là, mais vous avez tout d'abord des pertes en mégawatts globalement dans le site qui vont varier entre avec et sans sillage, c'est-à-dire entre guillemets, si on fait l'étude sans prendre en compte le sillage ou en prenant en compte ce sillage. Vous avez donc l'AEP, donc l'énergie annuelle produite, l'énergie annuelle distribuée, le facteur de capacité équivalent, c'est-à-dire en gros le pourcentage de l'année, du temps, on va dire, à laquelle cette ferme fonctionne à 100% de sa puissance nominale. Donc on voit qu'on a une variation assez importante de ce facteur de capacité, d'où l'intérêt de prendre en compte le sillage, et puis des impacts sur le LCOE et le CAPEX. Donc le CAPEX ne varie quasiment pas, il n'est pas tellement impacté par le sillage. Par contre, évidemment, les autres grandeurs, on le voit, on a des variations assez importantes. Donc ça, c'est pour vous indiquer que ça motive quand même clairement d'intégrer le sillage et donc de l'intégrer dans un contexte compatible avec un outil d'optimisation, c'est-à-dire de ne pas attendre non plus 3 mois un résultat de calcul. Alors voilà ce qu'on obtient aujourd'hui, c'est-à-dire que si on lance une optimisation, on va obtenir, notre outil nous permet de faire ça, c'est-à-dire de refaire l'architecture, de refaire les liens et de refaire les groupes entre les éoliennes et les sous-stations. Là, sur ce lancement de l'optimisation, dans le jeu d'hypothèses qui a été fourni, on obtient effectivement une seule sous-station qui se situe assez au barycentre du parc et qui va agréger un certain nombre de départs vers des groupes d'éoliennes de nombre assez variable. On va regarder ensemble après le bilan. Ici, on peut observer notamment que l'architecture qui est proposée par notre outil est plutôt radiale. On voit qu'il n'y a pas de redondance, qu'il n'y a pas de bouclage. C'est une discussion qui s'opère après en changeant quelques paramètres de manière à favoriser des architectures un peu différentes et de pouvoir observer notamment si ce rebouclage, ce maillage différent vient changer un peu les performances électriques et économiques du parc.
En termes de convergence, vous avez ici une figure qui est relativement classique dans le terme d'optimisation, c'est-à-dire qu'on montre ici les solutions obtenues en moyenne et la convergence de la meilleure solution, donc après ici 3000 générations, qui permet à terme de dire que la variation étant faible, on s'approche d'un optimum. C'est toujours la discussion hein, sur ces outils-là. On arrive sur un optimum. Est-il global ou local? Ça, c'est toujours à discuter. Alors, si je reviens sur l'effet de sillage, je vous ai mis ces deux diagrammes, j'espère qu'ils passent bien sur vos écrans, ils sont un petit peu chargés, mais ils sont extrêmement intéressants pour nous. On va essayer de le comprendre en prenant peut-être le diagramme de gauche dans un premier temps. Le diagramme de gauche, c'est en abscisse les numéros des éoliennes que vous avez au sein de ce parc, donc on les a toutes numérotées, hein, entre donc, les 116, donc entre 0 et 100, entre 1 et 116, et en ordonnée, vous avez la direction du vent. C'est-à-dire qu'en gros, le premier, c'est pour une direction du nord, puis 30 degrés, ainsi de suite, puis l'est, ainsi de suite. Donc, on voit que ce qui est en couleur, l'énergie produite pour chacune de ces turbines, pour chacune des directions, à cette vitesse de vent-là. Donc là, on est à 7 mètres par seconde. Donc c'est vrai que sur un parc, 7 mètres par seconde, c'est un peu une vitesse assez faible, qui n'est pas la vitesse visée pour la production du parc dans le cas... on va dire dans l'ensemble des cas. On aimerait que le parc produise à 100% de sa puissance nominale, qu'il y ait un vent qui permette de le faire. Simplement, cette figure, elle permet d'illustrer quelque chose qu'on voit un petit peu moins sur la figure de droite, mais qui est qu'il y a comme une atténuation assez forte dans certaines directions, et notamment si vous regardez à 30 degrés, on voit qu'à 30 degrés, il y a un certain nombre d'éoliennes qui vont avoir du vent frais, qui vont produire le maximum qu'elles puissent produire à 7 mètres par seconde. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va être autour de 0,85 MW, c'est ce qu'on va avoir au maximum à cette vitesse-là. Mais il existe aussi des éoliennes qui vont quasiment produire zéro, c'est-à-dire que la vitesse de vent vue à cause du sillage par ces éoliennes, c'est-à-dire le masquage en gros, hein, amène ces éoliennes à ne pas produire. Donc on peut ici se poser la question sur l'impact d'un tel point, et donc l'idée c'est de le faire, cette étude-là, pour toutes les éoliennes, pour toutes les directions, et donc pour toutes les vitesses de vent. Donc, c'est ce qu'on fait dans l'outil, on le fait à 1 mètre seconde, 2 mètres seconde, ainsi de suite, jusqu'à atteindre la fin de la courbe de production, et des vitesses pour lesquelles l'éolienne se met en rideau, ne produit plus pour se protéger. Du coup, si on regarde à 14 mètres secondes, les 14 mètres secondes, c'est un point où toutes les éoliennes sont censées produire à une puissance nominale, à une puissance maximale. Et on voit réapparaître à nouveau ces quelques directions, ces quatre directions notamment, où on voit apparaître des phénomènes assez importants d'effet de sillage à 30 degrés, à 150 degrés, à 210 et à 330. Donc on voit bien que la configuration du parc, elle est favorable sans doute dans la direction majoritaire du vent, mais elle va être défavorable dans certaines directions. Et ces directions, si la rose des vents, si le site vient à produire assez régulièrement dans ces directions-là, eh bien on aura une perte de production. Donc c'est vraiment très intéressant pour nous. Si on va un petit peu plus loin et qu'on analyse et qu'on agrège ces données sur l'ensemble de la rose des vents, donc l'ensemble des probabilités d'occurrence des vents dans les directions et vitesses, on obtient ce graphe qui est intéressant, c'est-à-dire ici, vous avez toutes les éoliennes de Borsell 1 et 2, et on peut observer le facteur de charge global, mais également pour chacune d'entre elles. Alors, on y va. Le facteur de charge global ici, on est de l'ordre de 39,5-40%, c'est ce qu'on estime. C'est intéressant, c'est assez classique. On aurait pu estimer qu'il serait un peu plus fort en offshore. On pourrait imaginer quand même, c'est ce qui est prévu, qu'on soit plutôt vers 45, si c'était mieux que ça, mais bon, c'est ce qu'on obtient. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder à l'intérieur du parc la variabilité de ce taux de charge. On voit qu'en fonction de la rose des vents de ce site, on devine en tout cas qu'il existe une zone très favorable qui est sur les éoliennes en bordure, qui va recevoir un vent vraisemblablement plutôt au sud-ouest, où le facteur de charge est important, qui peut atteindre les 44% ici et qui va pouvoir atteindre ici les 45-46%, cette éolienne étant quasiment isolée, elle subit très peu d'effet de sillage. À l'opposé de ça, on voit qu'à l'intérieur, là où finalement le sillage va sans doute se manifester le plus, on voit qu'il y a des éoliennes dont le facteur de charge est quand même assez différent. Et finalement, si on regarde sur l'ensemble de ce parc, on a des zones d'intérêt pour lesquelles le facteur de charge va varier entre quasiment 35% et 45-46%. Donc on voit que c'est quand même assez variable, assez différent. Et donc ça, cette étude-là, intégrée à l'outil d'optimisation, nous permet d'imaginer avoir des zones d'intérêt dans lesquelles éventuellement on pourrait renforcer le réseau, venir mailler, venir lier ça ensuite à une étude de fiabilité, donc lier fiabilité et ressources, de manière à avoir un réseau qui est constitué de manière à extraire le maximum, mais en étant renforcé au bon endroit. Voilà. Donc, ce que nous n'avons pas fait dans Reward, mais qui est une question face à cette étude-là, hein, c'est l'étude des redondances. On l'avait fait sur l'alternatif, on n'a pas eu le temps de la porter sur le continu. Et donc, ces redondances à installer sont liées à la configuration du parc, clairement.
Donc, ils sont dirigés, c'est ce que je vous dis, hein, donc, par la rose des vents, par l'orientation du parc et par éventuellement la technologie retenue. En tout cas, ces zones d'intérêt sont très significatives pour nous. Si maintenant on passe à la question qu'on se pose depuis le début, c'est-à-dire de savoir, en gros, sur un parc, d'une manière générale, quelle est la distance à laquelle on va changer de technologie et quelles sont les différences observées entre ces technologies. On peut regarder ici, notamment du point de vue du CAPEX, qu'est-ce qui se passe? Du point de vue du CAPEX, donc vous avez ici trois droites. Hein, trois, elles sont droites, mais ce n'est pas voulu, c'est pas de notre faute. Vous avez trois courbes. Donc une qui représente en gros la technologie tout alternatif en bleu, qui est visiblement bien au-dessus des deux autres. Hein, donc c'est ce qu'on attendait. Une en rouge qui va plutôt composer donc, un réseau de collecte en alternatif et un réseau de transport en HVDC, donc liaison continue haute tension. Et en vert, celui qui fait tout continu, donc continu dans le réseau collecte et réseau de transport. Sur le CAPEX, on observe effectivement qu'il y a bien le croisement auquel on s'attendait. Il y a un impact, et cet impact se situerait en frontière, en tout cas autour de 90 km. On voit deux choses. On voit que ces courbes se croisent assez très bien, qu'elles évoluent finalement assez peu sur le capital initial, donc finalement, ce n'est peut-être pas lui qui drive le plus le choix. Si on passe côté perte, on retrouve ce que je vous avais montré tout à l'heure sur la première courbe, avec des distances qui, ici, sur Borsel, en tout cas, vont plutôt passer autour de 140 ou 190 km selon qu'on cherche la frontière entre l'alternative, toute alternative, ou des systèmes donc mix AC-HVDC ou totalement en dessin. Ici aussi, on observe que l'écart est significatif, en tout cas entre les deux courbes mix AC-HVDC et full DC. Mais pour autant, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que je vous montre juste après, c'est que c'est le LCOE qui va plutôt déterminer les choses. Donc, si on passe sur le LCOE, on retrouve quelque chose qui est assez variable et qui correspond à ce qu'on attendait sur la solution totalement en alternatif, qui est classique sur la courbe bleue. On s'attendait à trouver effectivement les courbes vertes et rouges. En tout cas, la rouge, c'est celle qu'on avait un peu prévue, donc autour de 120 km sur cet exemple-là. Ce qui est assez original et ce qui est une conclusion du projet aussi, c'est que finalement une architecture toute continue ne fournit pas un gain en LCOE par rapport à une architecture en mixte AC-HVDC. Donc, on est ici sur un outil qui permet d'obtenir ça. Donc, typiquement, si on se posait cette question, j'ai un parc, je subodore qu'il y a une distance à laquelle il va falloir que je passe en alternatif ou en continu sur la liaison HVDC. La première chose, c'est de se dire si c'est visiblement, et c'est souvent ce que dit la communauté, hein, c'est entre 50-80 km, c'est ce qui est souvent vu dans la littérature. On s'attend à ce que ce soit la frontière pour décider de passer en alternatif ou en continu. Ici, sur ce parc, vraisemblablement, on est un petit peu plus haut avec les hypothèses qu'on a formulées. Et si je me pose la question de savoir si à un moment donné, un fournisseur ou un intégrateur me propose de passer en totalement en continu avec une solution qui est un petit peu différente de ce qui est fait aujourd'hui, peut-être avec un gain et autres, eh bien, l'outil va permettre de le quantifier. En tout cas, nous, avec nos hypothèses, avec les modèles qu'on a obtenus, on se rend compte que à ce jour, en tout cas, sur les performances observées, cette solution en totalement en continu ne fournit pas un écart très significatif. Voilà, donc si je peux arriver du coup à quelques conclusions. Donc ce projet nous a permis nous, de créer effectivement un référentiel technique et économique. Hein. Ce sont notamment ce que je vous ai dit, hein, la modélisation donc, de la ferme éolienne offshore. Donc, on a un certain nombre d'objets qui étaient déjà présents, mais qu'on a pu agréger notamment des modèles, notamment des étages continus. Intégrer ces modèles économiques et électriques sur ces nouveaux objets. Et notamment intégrer un modèle d'effet de sillage, en tout cas qui est prêt à recevoir des effets de sillage plus fins, plus formulés un petit peu différemment, mais cette plateforme est prête. La plateforme d'optimisation d'architecture de parc offshore, elle vise effectivement l'optimisation du LCOE, l'évaluation des performances électriques, en utilisant un certain nombre d'algorithmes d'optimisation qui sont assez efficients au sein de cet objet, de cet outil, hein, donc sans, on n'est pas rentré dans les détails, et qui permet aussi de faire une optimisation qui est multi-objectif, que je ne vous ai pas présenté ici. L'ensemble de ces éléments peut faire l'objet d'un certain nombre de requêtes, et donc on peut sortir des résultats qui sont personnalisés en fonction de ce qu'on veut observer, des jeux de contraintes qu'on veut mettre et de la variabilité de certains paramètres. La comparaison entre les architectures, donc du coup ici en continu, tout continu, si je veux dire tout alternatif ou un mixte AC-HVDC est permise et observée. Donc on peut notamment essayer de trouver ces distances d'intersection liées aux pertes, au CAPEX et au LCOE. On peut observer que l'intégration de l'effet de sillage, son impact sur les architectures est assez important. Et on a un cas d'étude qui est plutôt de bonne complexité, d'accord, qui permet de montrer qu'on peut monter aussi en dimension sur ces projets. Alors, quelques limites et perspectives quand même à ce travail, pour être tout à fait honnête. Les limites, effectivement, le modèle de sillage est encore un tout petit peu simple. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un problème, notamment dans l'efficacité de la simulation. Dans les outils d'optimisation, on peut vite perdre du temps à évaluer des fonctions internes
qui demandent des ressources de calcul, et donc un sillage évalué par des méthodes très détaillées pour être trop consommateur de temps. On les évalue quand même de nombreuses fois. Pour autant, on est preneur de modèles de sillage qui soient bien formulés, qui nous permettent quand même d'être assez efficaces. La limitation de ce type d'approche aussi, c'est de se demander finalement, en prenant un tout petit peu de recul, si l'outil d'optimisation globale existe vraiment. Est-ce que ce n'est pas un peu un serpent de mer et est-ce qu'il faut vraiment poursuivre ça? Donc, aujourd'hui, nous, ce qui nous est amené, hein, c'est plutôt d'intégrer des contraintes, de formuler des contraintes pour que cet outil puisse au moins donner les limites, donner les éléments qui sont influençants, qui vont influencer les grandes performances du site. Donc, notamment les contraintes d'industrialisation qui sont assez difficiles à formuler aujourd'hui. En termes de perspective à court terme, effectivement, il faut qu'on mène cette étude de fiabilité qui avait été menée dans le système alternatif. Alors, les données de fiabilité sont assez compliquées à obtenir et à consolider sur des objets qui n'existent pas toujours, qui ne sont pas toujours sur étagère, donc c'est un peu compliqué. Mais il faut en tout cas avoir l'outil qui permet de le faire. Ça permettra d'identifier la disponibilité du parc et identifier notamment les points critiques du système électrique quand on aura réussi à faire ça. Et à plus long terme, c'est une question qui nous est souvent posée, qui est une préoccupation, hein, c'est d'intégrer effectivement cet outil sur des réseaux qui vont être de plus grande envergure, qui vont être un petit peu les réseaux du futur. Intégrer ces réseaux maillés qui sont alternatifs ou continus dans l'optimisation. Intégrer éventuellement l'influence ou l'impact de la connexion avec des réseaux multiterminaux. Donc ça, on participe à quelques projets où on en discute, en tout cas avec des partenaires qui sont concernés par ces éléments-là. Et l'étude des performances dynamiques peut aussi faire l'objet d'une utilisation de cet outil. Enfin, c'est une actualité aussi, c'est l'influence de la déviation du sillage, c'est-à-dire pour un site donné, est-ce qu'il est intéressant de piloter, c'est-à-dire de dévier le sillage, c'est-à-dire de ne plus avoir un vent qui est à la normale des pales, mais qui est un petit peu dévié, de manière à avoir moins d'impact de sillage à l'intérieur du parc, de consentir une moindre production par génératrice, mais qui globalement améliorerait la performance du parc, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, donc pour terminer, c'est ma dernière diapo. Ici, je vous fournis quelques repères et références sur ce qu'on a pu mener depuis les années 2009-2010, avec notamment une petite timeline où vous allez pouvoir vous référer, si besoin, aux travaux que nous avons menés. Donc, vous avez, en 2014, la thèse de Waïd Damani, qui donc a fait les travaux en alternatif qui précédaient un petit peu le projet Howard, et qui, en 2014, ont été faits conjointement avec nos amis du LUSAC à l'Université de Caen, où Angelo Lobroto, lui, travaillait sur le positionnement optimal d'hydroliennes dans un parc offshore, et notamment la formulation du sillage dans un parc d'hydroliennes. C'est important parce que ces deux travaux ayant été faits en même temps, on s'est très vite rapprochés, et on s'est rapprochés dans un certain nombre de projets et qui ont donné lieu aussi à un certain nombre de travaux communs après. Dans les projets que je vous cite ici, donc les projets France Énergie Marine, donc Valeret et l'ISOR, on a observé donc, à la fois les outils d'optimisation d'architecture de ferme et des éléments sur l'architecture de sous-station électrique avec un certain nombre de partenaires industriels de premier rang en France et à l'international. Ensuite, effectivement, le projet Howard, donc, se situe ici, c'est la thèse de Asma Dababi qui a été soutenue donc, il y a un mois donc, sur les éléments que je viens de vous présenter. Et hier, la thèse d'Edman Fakhri a été soutenue donc, entre l'IRENA et l'USAC et qui est pour moi corollaire aux travaux d'Asma Dababi sur l'optimisation de l'architecture électrique de parcs hydroliens cette fois-ci, avec positionnement des génératrices et études de sillage. C'est-à-dire qu'on a réussi dans ce travail-là à mutualiser, à faire un outil d'optimisation globale dès le départ, c'est-à-dire en gros de ne pas avoir a priori, pas d'avoir de données d'entrée et de dire je positionne librement les hydroliennes et je trouve le meilleur impact. Voilà. En 2020 et plus, aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets, notamment des projets WIMEC, hein, qui viennent juste de se terminer pour EcoSferm, qui sont en cours sur Origami et Selforming, qui donc regardent un certain nombre d'objets comme le sillage hydrolien, qui regardent l'intégration au réseau ou la flexibilité hydrothermique dans les câbles sur des ressources de type renouvelable intermittente. Voilà, je vous remercie. Je vais terminer ma présentation. Donc, du coup, Philippe, je vais arrêter mon partage. Parfait. Donc, merci Salvi. Et on va effectivement passer maintenant à la session de questions-réponses. Juste, je partage mon écran. Voilà. Donc, peut-être une première question. Hein. Donc, il a été montré là, dans les travaux que tu as présentés, Salvi, qu'il y a un point de bascule donc, avec la distance du parc à la côte, hein, entre l'intérêt, en tout cas technico-économique, de raccorder en AC ou en DC. Est-ce que pour une distance fixe, il y aurait aussi un point de bascule entre l'architecture AC et DC, en fonction non plus cette fois de la distance, mais de la puissance croissante d'un parc éolien?
Alors, c'est une bonne question. C'est-à-dire, en gros, à iso-distance, hein, c'est ça? Voilà, à Ouais. iso-distance, est-ce que, en fonction de la puissance, à faible Oui. puissance, on serait plus favorable dans une Oui. configuration et à forte puissance dans une autre? Oui, mais clairement, en fait, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que le problème qui est sous-jacent sur l'arbitrage AC-ODC, c'est un problème de réactif, hein, concrètement, c'est ça. Il n'y a pas de rupture technologique sur l'alternatif quand on vient faire monter la puissance. Il n'y a pas de changement technologique. C'est-à-dire que c'est le même problème. Et donc, on peut surdimensionner, on peut toujours surdimensionner, mais c'est vrai qu'à un certain moment, quand la puissance augmente de trop, c'est la technologie câblée, hein, c'est la technologie câble souterrain, hein, qui fait ça. C'est pas, pour bien comprendre, hein, on sait le faire en aérien, traverser des centaines de kilomètres avec des milliers de mégawatts, il n'y a aucun problème. C'est juste que le câble aérien n'est pas constitué de la même manière que le câble souterrain. Et c'est cette constitution physique, le rapprochement des conducteurs et l'ensemble des éléments qui constituent le câble, qui vient créer cette limitation. Et donc, plus la puissance augmente, plus déjà le câble est compliqué à créer, à construire. Et plus, de toute façon, il sera victime de cet effet de saturation par réactif. Donc, on a aussi, effectivement, à un moment donné, si on veut intégrer plus d'énergie, on passera en continu. C'est d'ailleurs ce que font les Anglais sur leurs fermes proches des côtes, hein, sur les monstres qu'ils sont en train de mettre en mer, enfin les monstres positivement, hein, mais ils ont des très, très grosses fermes. Et ce qui est à l'étude aujourd'hui, ce n'est pas tellement l'alternative. Okay, merci Salvi. Est-ce que l'optimiseur que tu as développé dans le cadre du projet permet de garantir que le câblage à l'intérieur de la ferme, donc le câblage interurée, ne va pas induire des croisements de câbles? Alors oui, ça fait partie de la brique, si j'ose dire, de construction. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas pris, hein, le temps de regarder ces détails-là, sinon ça aurait été un petit peu plus long, effectivement. À l'intérieur de l'outil, il y a plusieurs étapes. Il y a notamment à un moment donné une étape qui constitue un peu le cœur. C'est-à-dire en gros, une éolienne peut se raccorder à qui? Et donc ça, c'est une vraie hypothèse. Et en limitant la possibilité de cette éolienne, en tout cas de ce point, ce nœud électrique, de se raccorder qu'à un certain nombre de voisins, donc à son voisinage, on permet comme ça d'éliminer les croisements. En tout cas, on a la possibilité d'éliminer très facilement les croisements dans la solution qui est trouvée. Donc, ça, c'est vu. Ce qui est moins bien, ce qui est moins facile à faire, c'est la liaison entre la sous-station et les groupes d'éoliennes. C'est-à-dire de se raccorder à la première éolienne la plus proche dans un groupe, s'il est éloigné. Vous l'avez vu peut-être tout à l'heure sur la figure. On a un peu plus de difficulté à trouver un chemin qui assure qu'il n'y ait pas de croisement sur cette liaison. Donc elle est peut-être parfois refaite un petit peu à la marge, mais globalement, ça converge quand même vers des situations où on a peu de problèmes de ce type-là. Ok. Une autre question sur cette fois-ci les niveaux de fiabilité et de disponibilité, donc vis-à-vis de l'OPEX. Donc ces niveaux de fiabilité et de disponibilité dans le temps sont-ils pris en compte pour les différentes architectures et voilà, pour l'optimisation globale du parc? Alors, la partie fiabilité, on l'avait développée sur les travaux qui précédaient Howard. Donc, c'était des éléments qu'on avait sur les objets alternatifs dans les architectures. Excusez-moi. Il y a plusieurs réponses à cette question. Premier élément de réponse, il y a plusieurs manières de formuler une étude de fiabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut effectivement s'intéresser à une courbe dite en baignoire, classiquement, c'est-à-dire en gros une courbe de fatigue, où on a un objet qui est neuf, qui est fiable, qui marche, et dont la fiabilité évolue dans le temps jusqu'à éventuellement être remplacée. Ça, c'est une première étude qui fait appel à des outils assez évolués et sur lesquels finalement la filière n'a pas tellement de recul en offshore. Et encore moins en continu, puisque les éléments continus offshore sont très peu documentés. Deuxième possibilité, c'est de partir sur une étude qui est dite un petit peu plus externe et qui va considérer un temps moyen de réparation, donc le MTTR pour ceux qui connaissent, et un taux de défaillance. Voilà. Et ce taux de défaillance permet d'avoir une étude qui est un petit peu plus facile à faire et qui va venir, non pas faire une simulation temporelle, mais qui va venir évaluer la probabilité qu'un élément tombe en panne et donc d'y associer une indisponibilité due au temps de réparation et donc associer à ça une perte de production et donc une perte de rentabilité, enfin de performance économique électrique. Et donc c'est vrai que c'est assez particulier. Et ce que nous n'avons pas encore fait, parce que ça prend beaucoup de temps dans l'optimisation, c'est de coupler à l'intérieur de l'optimiseur l'observation d'une architecture et de sa fiabilité pour essayer de driver des solutions. Ça, c'est aussi très consommateur, puisqu'en fait, chaque situation, plus on rajoute de modules, plus chaque situation prend du temps à calculer. Donc on a fait, nous, pour l'instant, l'étude de fiabilité a posteriori sur un ensemble de familles de solutions optimales.
Ok. Alors peut-être une autre question là qui tourne autour de la configuration full d'essai que tu as aussi comparé aux deux autres et une question qui pose sur les technologies et leur compatibilité avec cette configuration. Existe-t-il aujourd'hui des éoliennes qui permettraient une configuration full d'essai? Alors sur étagère, non. On va être clair, mais l'idée de ce volet de l'étude, c'était d'être, comment dire, de s'autoriser à aller observer une architecture qui n'est pas forcément aujourd'hui déployée sur étagère et d'essayer de quantifier raisonnablement, c'est-à-dire dans un cadre d'hypothèse raisonnable, ses performances et de les comparer aux autres. Donc, c'est pas volontairement se mettre en rupture, mais c'est en tout cas d'être attentif à une éventuelle évolution du marché, des propositions qui iraient dans une dimension de ce type-là. Pour être clair, sur un intégrateur, le problème aujourd'hui, c'est que les acteurs ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que l'intégrateur, lui, va venir prendre des éléments qui sont proposés par des fournisseurs de solutions, type fournisseurs d'éoliennes. Si ces gens-là venaient à discuter ou à venir à fusionner, par exemple, si on avait prouvé qu'il y avait un intérêt à supprimer un certain nombre d'éléments, notamment le transformateur, par exemple, en pied d'éolienne, et à mettre un convertisseur qui viendrait convertir directement derrière l'éolienne à une tension qui soit adaptée à un transport dans le réseau de collecte, si cette solution existe et qu'elle est sélésuisante, il n'y a aucune raison qu'elle n'émerge pas dans les années à venir sur ce marché. Donc, non, effectivement, aujourd'hui, ça n'est pas prêt. Et je crois que personne ne le propose, mais certainement, beaucoup l'ont étudié. Voilà. Ok, merci Salvi. Une autre question alors, qui rejoint les problématiques d'OPEX. Les hypothèses de prix des convertisseurs sont, alors, d'OPEX ou de CAPEX d'ailleurs, les hypothèses de prix des convertisseurs sont sans doute très sensibles. Comment cela a-t-il été pris en compte? Alors, effectivement, c'est très sensible parce que d'une part, ce n'est pas consolidé comme beaucoup de données d'entrée. L'idée, alors, ça choque toujours un petit peu quand je dis ça, on obtient des solutions qui sont fausses. Voilà, on peut toujours se dire ça puisqu'on est, on n'est pas dans, dans une vérité absolue compte tenu que les modèles d'entrée ne sont pas bons. En tout cas, les données d'entrée ne sont pas consolidées. L'idée, c'est quand même d'avoir un outil qui va s'approcher d'une certaine vérité si ces données d'entrée sont proches quand même de ce qui se fait réellement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de partenariats avec des industriels, d'une manière générale, qui peuvent arriver, eux, avec des modèles qu'on imagine bien entendu confidentiels, qui ne sont pas dans la littérature, et qui viennent quand même alimenter assez précisément le taux de variation d'un modèle électrique ou d'un modèle économique, notamment, et de fiabilité, éventuellement, on en parlait juste avant. La variabilité de ces éléments-là, elle est observée systématiquement quand on fait de l'optimisation par des analyses de sensibilité. C'est-à-dire que ça permet de sortir, déjà de vérifier qu'avec un même jeu d'entrée, on obtient la même solution. C'est toujours intéressant de vérifier quand même qu'il n'y a pas une trop grosse variabilité de la solution obtenue. Et ensuite, de voir sur la variation de ces entrées, quelle est la sensibilité de la solution obtenue. Et ça, eh bien, on s'aperçoit assez rapidement pour une étude de fiabilité. Objectivement, on savait avant que c'était l'éolienne le point central. C'est confirmé par l'étude de sensibilité à la fiabilité. Sur le coup, il y a un certain nombre d'objets dont le coût va effectivement être très impactant. Mais finalement, la famille de solutions obtenues va peut-être avoir des performances économiques différentes, mais va avoir des architectures électriques qui sont assez proches. Donc on se rend compte que la performance économique va être effectivement impactée par ces modèles. Par contre, l'architecture électrique, donc, qui va venir quand même driver un peu l'installation et autres, va plutôt être impactée par ce qu'on a vu, c'est-à-dire la répartition du sillage, les points d'intérêt qui vont apparaître dans la zone du champ, et les éventuels éléments de fiabilité qu'on a rajoutés, c'est-à-dire redondance ou bouclage. Ok, alors une question qui montre l'intérêt des auditeurs là, pour les travaux. Quand la thèse d'ASMA sera-t-elle publiée? Alors ASMA ayant soutenu il y a un mois, elle a un petit délai d'un mois ou deux, enfin de quelques mois avant de la rendre effectivement publique. Et après, il est traditionnel de mettre en ligne sur des sites du type HAL ou Thèse en ligne, donc TEL, qui sont classiquement les endroits où on peut trouver des ressources pour ce type d'objet. Après, sur le site du laboratoire, on n'a pas aujourd'hui en téléchargement libre, on va dire, mis à disposition de tout le monde nos thèses, d'une manière générale, mais sur une simple demande par email, vous pouvez obtenir le manuscrit en PDF. Ce sont des données qui sont publiques. Les éléments éventuellement confidentiels sont retirés des manuscrits en libre circulation. Et peut-être un petit complément par rapport à ça, dans le cas des thèses WIMEC, hein, on les met en ligne, ou en tout cas les liens, pour les retrouver. Donc en tapant le nom du projet, vous pourrez retrouver la thèse, et donc voilà, quand elle sera publiée, avec les délais que vous a précisé Salvi.
Une autre question qui est plus là au niveau de la ferme, n'y a-t-il pas des configurations d'éoliennes ou de parcs qui permettent de limiter les effets de sillage? Ah bah, bien sûr, enfin, on espère. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plutôt la partie un peu amont. On arrive après, nous. C'est-à-dire que l'électricien, en général, arrive sur un parc qui a déjà été vu en génie civil, en implantation, par des modèles d'écoulement de fluide, que ce soit hydrolien et éolien. Tout ça, c'est vu. Simplement, on a eu du mal un peu à se faire de la place hein, dans ces discussions, parce qu'on nous a souvent considérés comme étant juste là pour câbler les choses, si je résume. Et en fait, on se rend compte que juste câbler les choses peut être un peu différent selon l'architecture. Donc effectivement, l'intérêt d'un projet comme Howard, enfin des études qu'on mène sur ce type d'architecture, c'est de venir aussi auprès de ses interlocuteurs qui bien des fois n'ont pas forcément corrélé leur problème à un problème électrique. C'est de venir dire finalement, globalement, si vous avez des degrés de liberté dans le positionnement, nous, on est intéressés pour les observer, pour venir éventuellement quantifier et venir vous aider à choisir une solution alternative à peut-être quelque chose qui paraissait évident du point de vue écoulement de fluide et qui l'est peut-être un petit peu moins du point de vue un peu plus global quand le raccordement électrique vient s'opérer. Et peut-être de dire que, enfin, moi en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que un Howard n'est pas un logiciel d'aérodynamique de parc qui va permettre de prépositionner justement les éoliennes par rapport à l'effet sillage. Mais par contre, il permet de prendre dans l'architecture optimale de raccordement les effets de sillage dans une configuration donnée et prédéfinie avec les outils en amont. Donc voilà, c'est. Tout à fait. Je poursuis ton propos sur une voie un petit peu différente. C'est qu'un outil de simulation va simuler une situation qu'on lui a donnée en entrée. Et on peut très bien faire varier cette situation d'entrée. Et là, typiquement, Howard peut être lancé plusieurs fois. L'outil qui est issu de Howard peut être lancé plusieurs fois sur des configurations différentes. Alors évidemment, à ceci près qu'on consent le temps de calcul. On accepte le temps de calcul, mais on peut imaginer, et c'est un peu ce qu'a fait Ayman Fakhri donc, dans sa thèse sur les hydroliennes. Hein, c'est d'accepter de simuler de nombreuses configurations donc de répartition géographique hein, des génératrices et d'y associer un calcul électrique, électrotechnique et économique. Et donc ça, l'outil qu'on a nous aujourd'hui, on part d'un certain nombre de données d'entrée. Si ces données d'entrée viennent à varier, eh bien on relance l'outil, on relance la simulation dans un cadre défini. Et tout ça est modulaire, hein, tout ça est choisi. Donc finalement, c'est vrai qu'il n'est pas fait pour ça aujourd'hui, mais il peut tout à fait être employé à évaluer un certain nombre de situations selon la phase de décision du parc. Alors peut-être une autre question qui a d'ailleurs été posée plusieurs fois. L'optimiseur peut-il être appliqué et utilisé dans le cas des éoliennes flottantes? Oui, il est prêt, au sens où il est prêt à être alimenté par des modèles qui vont venir faire varier, alors alimenter, quand je dis alimenter, c'est qu'il faudrait avoir des modèles économiques de ces éoliennes flottantes, si tant est qu'ils soient différents. Si les éoliennes flottantes en question venaient à être différentes au niveau électrique, il faudra intégrer les différents nœuds qui sont intégrés. Aujourd'hui, le parc flottant, enfin à mon sens, hein, c'est d'abord un problème de distance, donc de raccordement, clairement, de transport d'énergie sur une distance qui va s'agrandir. C'est aussi, on le voit dans les projets. Des questions qui vont concerner les ancrages, donc le mouvement éventuel de ces générateurs, donc le sillage de ces générateurs et le contrôle de ces générateurs est une vraie question. Et donc, au stade où on en est, nous, pour moi, l'objet qui peut être le plus novateur dans une ferme éolienne offshore, c'est si on mutualise l'ancrage et le câble. Il est question de le faire, il y a de nombreux projets qui discutent de ça. Et donc là, on est sur un objet un peu nouveau qui va jouer plusieurs rôles. Et qui va être potentiellement sollicité mécaniquement avec le flotteur et les mouvements. Et donc, ça, on observe, on est présent dans un certain nombre de projets donc, que je vous listais avant, et attentif auprès des partenaires de ces projets pour être en veille un peu sur l'évolution, sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est demain un parc offshore flottant, effectivement. Mais il est, a priori, toutes les briques sont là, elles sont à modifier pour les contextualiser, si tant est qu'on est capable de les alimenter. Alors, on voit avec les annonces récentes, là, notamment au niveau de l'Union européenne, sur la stratégie de déploiement de l'éolien offshore ou plus largement des énergies marines, qu'il est prévu hors UK d'avoir au moins 300 gigawatts à l'horizon 2050, donc des volumes très importants avec des fermes, on en a parlé tout à l'heure, de grande capacité, enfin de grande puissance. Est-ce que cela va conduire ou pas, à ton avis, au déploiement d'une solution préférée? Tel que l'export en DC
Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui va, à l'avenir, privilégier une solution plutôt qu'une autre dans les prochains déploiements, pardon. Oui, on sent bien la tendance, elle est d'une part à s'éloigner, parce que pour l'implantation des fermes proches des côtes, il y a des difficultés qui sont tout à fait entendables sur la perturbation visuelle et ainsi de suite. Donc, moins il y a d'usagers concernés, plus on peut imaginer, en tout cas a priori, que la ferme puisse s'installer. Donc, on voit bien que ça va d'abord s'éloigner. Donc, ça, c'est un premier élément qui est quand même en faveur de du continu, excusez-moi. Et ensuite, effectivement, cette intégration d'une puissance qui est de plus en plus grande, clairement, va vers aussi une facilité, en tout cas un déploiement d'une technologie qui a l'air d'être assez bien pour ce type de transport. Simplement, il y a quand même quelques remarques et quelques nuances à apporter. Si on agrège toutes ces fermes, à un moment donné, il faut quand même prendre en compte que les sous-stations, notamment, vont devoir être évolutives. Enfin, il y a question quand même d'évolutivité de ces sites. Est-ce qu'ils sont évolutifs ou pas? Et est-ce qu'on sort éventuellement du paradigme, c'est-à-dire d'aujourd'hui, le paradigme, c'est j'ai un site de production, quel qu'il soit, et je le raccorde au réseau continental de transport d'électricité. Est-ce que ce paradigme change et auquel cas on va vers un déploiement d'un réseau offshore de transport d'électricité? Et donc, on en voit des petits bouts arriver. Hein, les projets chez RTE pour créer des liaisons, notamment France-Espagne, vont passer par la mer. Donc, ça veut dire que la mer est un endroit où ils vont se déployer un certain nombre d'éléments et s'interconnecter. Et donc, aujourd'hui, c'est très dynamique dans la communauté des électriciens sur ce domaine-là. Et vous avez notamment l'ITE Supergrid, vous avez le CIGRI qui est très actif, vous avez quand même des acteurs de premier rang qui sont vraiment en veille sur ce type d'approche pour savoir vers où on va sur l'architecture de réseau demain et comment intégrer et comment, en tout cas, développer ces sites d'aujourd'hui pour les intégrer demain dans cette mouvance. Et ça, c'est une question qui est vraiment particulièrement intéressante pour les gens qui font du réseau de transport. Alors peut-être une dernière question, parce que l'heure tourne. Où en est la technologie de coupure en termes de disjoncteur en HVDC? Alors ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'opérateurs, enfin d'industriels qui sont sur le domaine, hein, qui innovent tous les jours avec des dépôts de brevets en permanence. Donc on sent que c'est très concurrentiel, c'est un véritable enjeu. Il faut savoir qu'on peut se tenir informé, hein, il faut suivre un petit peu ce que font les différents fournisseurs de solutions. Ce qui est sûr, c'est que c'est une techno, enfin en tout cas c'est un domaine dans lequel on a beaucoup évolué ces derniers temps et où aujourd'hui il y a des solutions, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui existent, on sait couper en DC. Le problème est en particulier de la montée en puissance, c'est-à-dire de couper des arcs ou des défauts qui vont être d'une puissance assez importante. Et effectivement, il faut être sûr que la solution retenue tienne, mais aujourd'hui, moi j'aurais tendance à dire que cette techno atteint un degré de maturité satisfaisant pour être proposée dans des solutions commerciales, puisqu'on voit les solutions en HVDC. Et donc la coupure d'essai, qui a longtemps été un gros problème, vient, notamment avec le déploiement d'un certain nombre d'éléments d'électronique de puissance, vient appuyer le développement de cette filière. De toute façon, c'est corrélé. Sans coupure, pas de solution. Ça, c'est clair. Ok, merci beaucoup Xavier. Alors il y a encore des questions qui arrivent, mais je pense qu'avec l'heure qui tourne, on va devoir arrêter là la session de questions-réponses. On n'a pas pu malheureusement répondre à toutes, mais vous avez les contacts de Salvi, vous les aurez sur les planches et du WIMEC. Donc surtout, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour avoir des plus amples renseignements ou pour collaborer sur le sujet. Donc voilà, c'est maintenant l'heure de clôturer ce webinaire qui a été consacré au projet Howard, et c'est donc aussi le moment de vous annoncer le prochain WIMEC webinaire. Je suis une nouvelle fois bloqué. Bon, qui aura lieu le 21 janvier à la même heure, hein, 17h, pour la présentation des enjeux sur un autre projet WIMEC, donc le projet Firmin. Donc exceptionnellement, vous notez aussi qu'il n'y a pas de webinaire en décembre, et nous allons passer dans le cadre de ce projet Firmin à la modélisation, enfin de la modélisation des systèmes électriques, à cette fois-ci la modélisation du comportement des matériaux composites en environnement marin. Et c'est Alexandre Clément de l'Université de Nantes, et plus particulièrement de son laboratoire GEM, dont certaines équipes, dont celle d'Alexandre, sont implantées à Saint-Nazaire, tout comme Salvi pour le projet Howard. Donc Alexandre vous présentera les résultats du projet Firmin, qui a permis de développer des outils de simulation, une fois encore, mais du comportement donc des composites en environnement marin,
donc en environnement humide, en modélisant tout d'abord la diffusion de l'eau au sein de la structure hétérogène du composite, puis en modélisant les contraintes induites par ce gradient de diffusion, et enfin en modélisant comment ces contraintes peuvent à leur tour induire de la propagation de fissures. Donc, j'espère que ces quelques mots et sans le support vous ont donné néanmoins envie d'en savoir plus et de participer avec nous à ce prochain WIMEC webinaire. Vous pourrez d'ailleurs dès demain vous inscrire en ligne sur le site WIMEC, hein, WIMEC.fr, en passant par exemple par l'agenda sur la homepage du site et en sélectionnant le webinaire en date du 21 janvier. Bon, vous recevrez comme d'habitude de toute manière plus d'informations par mail d'ici là pour vous inscrire si la thématique vous intéresse. Et pour conclure, vous recevrez par mail d'ici quelques jours un lien vers la synthèse du webinaire d'aujourd'hui et la vidéo associée. Donc surtout, vous n'hésitez pas à partager et à diffuser ces contenus aux personnes intéressées. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter WIMEC pour ne pas manquer les actualités plus largement, celles de WIMEC, mais plus largement celles des énergies marines ou de l'éolien offshore. Donc là encore, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur le site WIMEC et l'inscription se fait en quelques clics en bas de la page d'entrée du site. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux ou revisionner les différents WIMEC meetings sur notre chaîne YouTube. Donc, pour terminer une nouvelle fois, merci à Salvi pour sa présentation. À tous les participants, nous étions une quarantaine au pic aujourd'hui. Merci pour toutes les questions pertinentes que vous avez pu poser. Merci à Sandrine en régie. Et donc, rendez-vous le 21 janvier prochain pour parler cette fois-ci donc, de matériaux composites. Bonne fin de journée à tous et portez-vous bien. Merci. Au revoir. Au revoir.